Alors tu me diras quand ce sera tel spin si si c'est toujours si fort. Normalement j'ai pas mal baissé là, enfin pas mal, deux crans. Voilà, tel spin donc de Capcom encore. C'est soirée Capcom, sorti en 91. Et j'y vais comme ça à la bourrin quoi. Voilà, donc j'ai le rembobinage, ça c'est bien. J'espère que ça rend bien. Alors c'est méga pixelisé, y a pas de scanline ou quoi que ce soit. Je vais peut-être changer juste ça là. Voilà, ça c'est plus propre. Merde, attends, j'ai encore un truc à mettre. Voilà. Alors, wake up. Alors je connais très mal la série Super Baloo. Enfin, je vois la tête des persos, mais je sais pas qui c'est, si c'est sa femme, sa tante, j'en sais rien du tout quoi. Donc on a beaucoup de boulot. Elle a des trucs, alors j'ai pas lu, elle a des missions j'imagine. Alors je dois sortir et me bouger et au passage, alors Don Carnage, je sais pas, les pirates, je sais pas si c'est un personnage récurrent de la série. On t'intercepté donc les avions transportant les cargos. Alors fais-moi une faveur, sois prudent, ok. La fin est merdique comme d'habitude, ok. Voici ton premier objectif, vol au-dessus de la mer, et tu devrais trouver ta destination. Mais attention à Don Carnage, il devrait t'attendre. Si tu trouves plus de caisses, j'imagine, enfin cargo, prends-les et livre-les. Mais attends, oula, ça commence direct comme ça. Putain, c'est quoi cette maniabilité? Attends, ouh, c'est bizarre. Ok, donc c'est un scrolling automatique. Horizontal, putain, ça, d'accord, on a un bouton pour se retourner. De toute façon, il y a que deux boutons sur NES. Et un bouton où, selon si on va en haut ou en bas, on va tirer dans une direction. Putain. Je sens que ça va être chaud. Et donc, on peut se mettre à l'envers, comme ça. Oh putain, ouais, ça va être l'enfer, hein, je sens. Alors, dites-moi, ouais, est-ce qu'il y en a qui connaissent la série? Juste pour savoir, est-ce que c'est fidèle, est-ce que ça va être fidèle à la série ou pas? En tout cas, et Tailspin, y en a eu pas mal. Donc c'est le nom en anglais, Tailspin, normalement c'est bah, Super Baloo chez nous. Mais le titre est sorti en Tailspin. Et c'est sorti sur plusieurs plateformes, mais avec... pas en shoot'em up, quoi. Je crois que c'est que la version NES qu'en shoot'em up, sinon c'est un jeu de plateforme. Et apparemment très très dur. Hop. Putain, ça envoie pas mal, hein, quand même. Putain, mais ouais, la hitbox a l'air bizarre, quoi. Alors je sais pas pourquoi on peut se retourner comme ça, on peut retourner à gauche. Putain, je sais pas ce que j'ai shooté. Mais ça se shoot ça? Non. Ah bah si, pour faire ça sans doute. Putain, par contre c'est tellement bizarre manier. Pas... Ah d'accord, il y a des caisses comme ça. Oh la vache. Non, ça c'est pas du bonus. Faire ça, hop, voilà. Je passais pas là, putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah je recommence le stage. Attends, alors si je fais start, on a deux vies, un sac, et un chargement, ouais, je sais pas trop. Je sais pas si... Oh putain, merde, ça se retourne. Je sais pas s'il y a une mission, là, il disait de trouver, alors je sais plus, des cargos ou je sais pas quoi. Mais j'imagine que c'est un shoot classique, où t'avances jusqu'à une fin, quoi. Merde, on voit ma souris, non, c'est bon, on voit pas ma souris. Putain, mais en fait il y a zéro fréquence aussi hein, sur petit qu'une balle à la fois. Et faut attendre que le tir disparaisse de l'écran. Putain, ils aimaient bien ça Capcom. Ah mais ça se ramasse, c'est ça les caisses. Mais d'accord, je crois que c'est du décor. Putain, quel con. Et du coup l'autre de... Ah c'est ça, putain. Tu sais, je suis un boss. Animation. Alors j'imagine qu'il y a des game over direct. Quand on n'a plus rien. Bon, on va essayer un peu quand même encore comme ça là, mais il va y avoir du rembobinage sous peu. C'est assez bizarre. Pour tirer en bas, faut vraiment bien pointer vers le bas quoi. Parce que j'ai l'impression. Non, je sais pas. Putain, mais...
Alors attends, les diagonales ça marche pas. Attends, si. Diagonale, ah ok. Quand t'es sur le bord de l'écran et que tu fais une diagonale arrière vers le bas, ça marche pas. C'est, tu restes collé à l'écran. Donc faut avoir le réflexe de, d'aller vers le bas pile poil quand t'es sur le bord de l'écran. Ah ouais, effectivement, ça a l'air d'être très chaud quoi. Alors game over, on va voir. Il y a 3 continues, ok. Et on reprend du début. Bon, on va écouter. On va commencer à jouer comme je souhaite. Alors, je peux prendre tout ça, alors. D'accord. Je sais pas à quoi ça va me servir, peut-être pour gagner des vies. Attends, je vais virer la souris, ça me gêne, moi. Et ça, c'est inversé, du coup. Non, pas tout à fait. Attends, le fait d'avoir qu'un seul tir, c'est ignoble. Quoi ? Je me suis fait shooter par quoi, là ? Ah oui, pour se retourner, faut faire ça. Voilà. Alors la musique, ça me dit rien du tout, ça vient de la série. Putain, c'est ignoble. C'est ignoble, pour tirer vers le bas, je sais pas, y a un truc. Y a un truc qui marche pas bien, bon allez, hop, je recommence. Ah putain, le rewind est plus rapide que sur... sur RetroArch. Il fallait tirer. Non, on va récupérer ça. Hop, une banane, pourquoi pas. J'arrive pas à tirer vers le bas quoi, y a un souci là-dessus. Je sais pas, c'est bizarre. Ah parce que... Ah d'accord, j'ai compris, quand vous faites diagonale bas avant, vous pointez pas vers le bas, et donc il tire en face. Donc en fait faut... Putain mais c'est super dur à manier quoi en fait. Faut vachement jouer sur les axes quoi. Putain, puis y a rien qui est pardonné quoi. C'est ça, en fait, faut vraiment pas avancer ou reculer si vous voulez tirer dans une direction, quoi. Putain, alors le truc qui scotche le bord de l'écran, c'est ignoble, ça aussi. Ça, c'est la pire idée, hein. Ok. Désolé de se faire répéter pour que vous allez voir, j'avais pas compris. Putain, le nombre de fois que je l'ai dit pourtant. Enfin. Si tu regardes, si tu remates la rediff, tu verras quoi. Alors, attends, c'est quoi ce boss de merde? Parce que c'est chou là. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris le truc. Alors ensuite, faut se mettre à l'envers. Oh putain, mais la hitbox, elle est quand même rude. Hein. Faire un truc comme ça, j'imagine. Hop. Putain, c'est chaud. Même avec le rewind, j'ai du mal là. En fait, c'est le problème des diagonales. Des diagonales et d'aller en avant, quoi. Y a un truc qui va pas dans le gameplay là. Je sais pas pourquoi il va vers la gauche là automatiquement alors que je suis juste vers le bas. Et je joue pas avec le stick, hein, c'est avec la croix directionnelle. Et ouais, putain, quand il va vers le bas, il va vers la gauche. Je comprends rien au gameplay de ce jeu, attends. C'est carrément instable. Attends, je vais bien reculer parce que j'avais faut que je récupère plus de vie. Ah bah d'accord, j'ai que ça en fait. Putain, c'est chiant. Ah mais là, si je vais vers la droite, je vais coller le bord et je vais pas pouvoir descendre. Dégage. Bouge. Vous voyez, quand je vais vers le bas, il avance en même temps, quoi. Ah putain, merde, je savais pas qu'il tirait comme ça. Putain, puis là, ça marche pas, là. Déconne. Ah bon, j'ai zéro mérite, hein, sur ce jeu, hein, je le dis. Mais voilà, c'est pour voir un peu ce qu'il y a. J'avoue que c'est très dur à manier. On se fait un dessin animé, Livre de la Jungle, et c'est
Ensuite, celui-là, ils ont fait une série centrée sur Baloo. Ouais, c'est ça, hein, je crois. Ah, c'est quoi ça? Ok, donc je peux acheter des choses. Je sais pas si ça va. Ah, si, si, ça devrait. Ah, rapid shot, ça, c'est bien ça. Ouais, et ça aussi. Voilà. Tout ce qui est tir, là, je prends à fond. Quoi? C'est pas 40 000? Ah, c'est 400 000! Putain! Continue mes mots. Je pense que c'est un continu, mais je... on va pas le faire. Regardez notre fric. Alors, la prochaine destination, c'est le stade baseball. Donc, apparemment, il y a des anti. De la DCA, quoi. Ok. D'accord. Super. Donc, c'est eux qui font la DCA. Alors, normalement, notre ennemi, c'est Shere Khan, si je dis pas de conneries, hein, histoire ça reste un peu comme dans le livre de la jungle. Ça a toujours été l'ennemi de Baloo, alors dans la série, zéro idée. Looping au Québec, c'était ça son nom? D'accord. Là, si le scrolling d'un coup il va à droite, c'est bon. Putain, alors là faut aller vite. Ah ouais, mais quoi? Ça te tue en un coup? Oh bah attends, je vais bourrer alors. Ah, mais ça me fait pas mal quand je touche les parois. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Attends, je vais recommencer un peu tout ça, mais. Parce que sinon c'est le game over, il faut tout recommencer. Voilà. En fait on peut foncer. Mais c'est chiant parce que vu que tu montes et que t'avances en même temps... Putain, c'est Tandax. Je sais pas comment tu fais pour aller en haut, il y a peut-être une technique pour aller plus vite. Peut-être un truc que j'aurais dû acheter avant. Ah mais je peux tirer deux tirs à la fois maintenant. C'est mon upgrade. Putain. J'ai rien perdu. Oui. Ok. Hein? Je sais pas comment il est mort. Putain, mais il meurt tout seul. Putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oula. Bon, y a des bonus cachés apparemment. C'est déjà le boss là? Bon, après, faut que je fais du rewind, c'est sûr, mais. Ah d'accord, c'est vrai qu'on va en avant quand on monte. Ils auraient pas pu faire un, je sais pas, un gameplay classique quoi. Oh putain, je me fais quand même toucher quoi. Après, il est pas très compliqué. Même le sous-marin était plus simple. Était plus compliqué, je trouve. Méchant renard aussi. Don Carnage. Ah bah voilà, c'est... Oui. Celui dont il parlait, là. Alors là, j'ai pas 400 000. Alors en fait, il faudrait que j'achète tout, apparemment, de ce qu'il dit, mais... Moi, j'aurais dû garder mon fric pour ça, là. Pour le super rapide. Ou pour aller plus vite. Ça, c'est, j'imagine, t'as plus de cœur. Et là, t'as une vie. Et là, c'est un continu. Sauf que je vais continuer. Je vais continuer à masser le fric. Alors, Don Carnage, apparemment, a foutu des mines dans les nuages. Donc, on doit être prudent. Donc, je vais pas aller dans les nuages. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, alors ça, par contre, sur le rendu, ça doit être pourri. Attends, non, ça je vais l'éviter. Putain, c'est pire en fait, quoi. Ouais, j'abuse un peu de rewind, hein, mais... Vous avez été prévenu. Hein. Du coup...
coup, je sais pas, ouais, faut pas du tout aller dans les nuages. Mais en fait, tu peux me cogner dans les nuages, c'est comme si c'était un mur, quoi. J'aime même prendre les mines, quoi. C'est quand même mieux de pouvoir tirer au moins deux projectiles. On va lever là les mines. Putain, j'arrive pas à tirer en face, quoi. Ah merde. Ça va foutre la merde sur le stream, ça. Une vie. Ah oui, mais je suis mort. Donc non, ça c'est... Voir, faut le laisser. Ça traverse. Non, je peux pas le choper. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas envie de refaire le niveau du début. Là, c'est bon. On fait ça à la cool. Quoi? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Attends, tu fais comment là? Voyons. Il fait ça. Ah mais il se met en... D'accord. Par contre, comment tu le touches là? Attends. Laisse-moi comprendre. Ouais. Attends. Comment il est touchable lui? Retour, je ferais mieux de faire une save state, hein, ce serait mieux. Faire une save state de cette appli, quoi. Ah, il est touchable quand il rejoint l'autre. D'accord. Là, c'est que de l'esquive. On est d'accord. On va se foutre là. D'accord. Bon, bah, c'est que ça. Putain. Je m'attendais à un truc horrible. Genre, fallait passer derrière eux, là, sur le bord. Pouvoir les shooter dans le dos, mais t'es obligé de te prendre des coups tout le temps, quoi. Et ça explose tout le temps en étoile, hein. Jamais dans ma direction. Merde, j'ai fait le con là. Vaut mieux se mettre en décalage, je pense. Et ouais, putain, j'ai foncé dedans. La musique, elle est bien dynamique. Putain, j'ai fait le con. Je le vois pourtant, mais... Faut rester en phase 2, en fait. Faut pas avoir peur. Là, faut rester en face. Tu crains rien, quoi. Bon, évidemment, faut pas être au centre. Hein. Bon, ça risque d'être un peu long, quand même. Putain, mais retourne-toi. C'est bon. Par contre, je sais pas combien il y a de niveaux. Ça se trouve, c'est un jeu qui dure 4 heures, quoi. Mais je pense pas. D'après How Long To Beat, c'est 25 minutes. Je l'espère. Je sais pas, les 400 000. Merci. Bon, après... GG est pas hyper mérité non plus, quoi. Prendre ça quand même. On est un peu plus vite là. Bon, de toute façon, si on achète tout dans le magasin, après c'est bon quoi. Alors maintenant, on va aller au la maison magique. Sauf que faut que je fasse gaffe, ça a l'air d'être hanté. D'accord, putain. Ah, le welcome quoi. Le lamp. Non, pas le lampadaire, mais le lustre dans la gueule, voilà. Là, ouais, j'ai bien l'impression que je vais plus vite. Oh putain, merde. Vite, ça. Ouais, cool. Ah sinon, il est pas mal, hein. Enfin, moi, je l'aime bien. Bon, en jouant comme je fais. Hein. Oh, putain, saleté de fantôme. Et puis, ça accroche bien, ça. C'est pas mal, enfin ça bouge bien, c'est un bon petit jeu. Putain, alors là par contre il se fait toucher un peu injustement là. C'est fluide, bon maniable, c'est juste spécial. Bon en tout cas voilà, ils auraient
ont réussi à faire une maniabilité. Putain, alors le truc il me colle bien lui. Une maniabilité assez spéciale. Mais sinon ça va quoi, c'est pas... C'est assez propre. Putain, mais le truc ça tombe à 3000 à l'heure quoi. Ah, les flammes ça tue. Bon. Bon, j'abuse un peu beaucoup là. Ah, ça tire les flammes aussi. Je sais pas, c'est une entrée ça? Non, c'est pas une entrée. Ouais, je trouve ça assez propre quoi. Putain, ça c'est le genre de truc. T'avances au Dying Retry là. Non, voyons, ça se fait toujours au même endroit ça. Ah, ça peut se shooter quand même. En fait, putain, mais c'est tendu parce que ça arrête pas là. Ah, mais ça tire en plus, j'avais pas vu. Merde. Putain. Ah, mais là je suis obligé de crever là, il me faut de la vie. Mais ça passe à travers en plus. Mais, putain, pourquoi ça passe à travers? Oula. Ah, c'est pas con ça, oui, il faut peut-être revenir un peu en arrière parfois. Disparaît. Putain, disparaît. Merde, j'ai oublié de le shooter lui. Oh, le boulet. Tourne-toi. Voilà. Alors, j'imagine ça repop, ouais, évidemment. N'oublions pas qu'on est sur Capcom. C'est Megaman après tout. À quoi je m'attends là? Ah, c'est une petite mise en scène apparemment. Donc, je devrais être au boss là. Oula, ou pas. C'est un point ça. Oh putain. Waouh. C'est quoi ce truc? Alors, faut shooter ça là. Yes, ok. Faut amener les points. Faut qu'il arrête de protéger son nœud papillon là. Merde, j'ai pris le pied. J'ai trop du mal à tirer vers le haut parce qu'il faut vraiment que j'arrête de m'avancer pour faire ça. Sauf qu'il y a le pied là qui arrive à 3000 à l'heure. Ouais, j'ai vu le Gremlins 2 là, de Mr. MV. Après, j'ai pas trop connu ce Gremlins 2 sur NES. Je l'avais connu sur Game Boy, qui était horrible également. Très court mais horrible. Et bah, il a bien joué. Hein. Bon bah là je vais rien prendre, parce qu'il me manque ces deux là, et ça je sais pas si ça sera utile en fait, à la fin. On va continuer, de toute façon à un moment donné il n'y aura plus rien. Alors on est à la Bourbalou, prends ce raccourci à travers la ville. Et fais gaffe à tes ailes, il y a plein de gratte-ciel en construction. Ça marche. Putain. Attends, mais j'en ai marre là. Dès le début d'un niveau, à chaque fois je me... Ah mais d'accord. Ça se watch, one shot pass. Oh la vache! Alors, peut-être que j'ai mal traduit un mot là. C'est peut-être pas les buildings, mais. Les gars qui font du delta plane. Attends, ce petit cœur là, comme ça. Non. Mais je crois que c'était gratte-ciel, hein, ce qu'elle avait dit. Putain. Attends, j'arrive pas à lire le chat. Pas de musique de fin de niveau. Non. Par contre, quand j'ai vu le Gremlins 2 sur NES, la fin de Mr. MV, les musiques, je les connaissais quoi. Alors je sais pas si c'est les mêmes sur Game Boy, faudrait que je vérifie. Mais peut-être que j'avais des souvenirs de la version NES sans y avoir joué. Très bonne OST, hein, le Gremlins 2. Là on est sur un pont là. Putain. Ah ouais non si c'est en train de construire là. Donc, je me suis pas planté. Ah. La petite vie. Bon. Vu comme je joue, j'en ai pas trop besoin. Ah, je sais pas oui pourquoi ils ont mis Baloo en tant qu'aviateur quoi. J'avoue, il y avait déjà Flagada Jones dans ce style. Pourquoi Baloo en plus?
Après c'est la bande à Picsou. C'est pas forcément pareil mais quand même. C'est Disney quoi. Salut Stada! Tic et Tac sont bien devenus des rangers du risque. Allez, on est au boss, putain. Donc là, oh là là, putain, c'est quoi ce nombre de projectiles? Putain, c'est quoi cet enfer? Ok, alors attends. On va essayer de réfléchir. Alors lui, il a l'air chaud, hein. Si tu le fais normalement. Putain, mais merde, je les vois même pas, quoi. Faire un truc comme ça là. Il bouge tellement. Merde le con, il a pas. Il bouge tellement, putain. Comment je pourrais faire là? Mais putain. Faut rester au-dessus de lui ou non? Putain, mais la boule va à 3000 à l'heure. Je le touche même pas. Mais putain, vous avez vu comment ça me suit? Comment tu veux faire? Putain, je vais le bourrer parce que là je vois pas. J'aimerais. Putain, mais dès que je lâche le rewind, je me prends un shoot quoi. C'est infernal quoi. Putain. Oh. Ouais, ça j'aurais jamais réussi en normal. Enfin, je veux dire, normalement. Impossible. Oh, c'est trop dur pour moi. Ouais, mais en version cool. Je continue en version cool. Enfin, surtout ce jeu-là, quoi. Je sais pas comment je vais me le faire, lui. Même avec les rewinds, j'ai trop de mal, quoi. Non, mais ils ont fait de la merde, là. C'est n'importe quoi, là, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce boss, quoi? Je veux dire, ceux d'avant, il y a une certaine logique, là. Mais là... C'est n'importe quoi, les... Projectile rebondissant, le boulet à éviter au-dessus. Putain, je crois que je suis revenu un peu trop en arrière. Là. Oh. Ouais, voilà, c'est du Manic Shooter, donc du coup. Moi, je suis paumé, quoi. Je peux pas me foutre en face de lui, y a que des balles rebondissantes là. Je sais pas comment je peux me mettre en face de lui pour le shooter. Putain, puis j'arrive pas à le viser. Putain, puis alors, tu vois, ça bouge bizarrement. Voilà, j'aurais pété un plomb, mais là, ça se trouve, je vais pas le passer, hein. Avec le rewind... Je sais pas... C'est complètement... C'est n'importe quoi, ce boss. On est d'accord. J'y arrive pas. Putain, puis alors, faut pas être épileptique, hein. Putain, mais... Je sais pas, d'un coup, il y a un boost. Parce qu'en fait, il se déplace en même temps. Et donc, ça fait booster notre joueur. Eh ben putain, je crois que même avec ça, je vais pas y arriver, quoi. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est... On va faire méthodiquement. Dès que je me prends un coup, je reviens. Hop. Ok. Non. Putain. Putain, ce boss de merde. Ah, il est incroyable. Ah, là, c'est le pire boss qu'on ait eu ce soir. Hein. Ah, le pire qu'on ait eu. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Putain, mais... Parfois, Capcom, ça va pas bien dans leur tête. Hein. Tu peux péter le boulet? Ah merde! Je crois que tu disais que j'avais pété un plomb. Faut y aller bien comme il faut, alors. Ouais, bon, là, je suis bourrin. En même temps, je sais pas, ça se déplace pas, c'est super bizarre. Bon, c'est ça qu'il faut péter, là? Il y a un truc, là? Ah putain! Ah bah oui! D'accord. En même temps, t'as rien du tout qui clignote, t'as pas un son, t'as que dalle. T'en sais rien si c'est butable ou pas. Voilà, gros merci, tout de vue. Parce que là. En fait, il était pas si solide, mais bon.
Voilà, c'est bon. Ça, fallait le savoir pour le boulet, hein. Vraiment aucune indication, hein, comme quoi tu faisais des dégâts, quoi. 300... Ouais, je suis pas encore 400 000. Ouais, non, mais je veux le 400 000. Alors, très bien, mon petit ours, je sais pas quoi. Prochaine livraison, t'emmène dans les caves, conduis prudemment, hot shot. Bon bref, faut faire gaffe, pique, tout ça, on est dans une cave quoi. Comme si on allait se balader en avion dans les caves. Ouais, ça a été assez dur, hein, Super Goozle Ghost. Ça a été fini, mais bon, pas la loyale sur la fin. Parce que c'était... c'était chaud. Je peux coller les parois, ok. Est-ce qu'il y a des bonus cachés quelque part? C'est bizarre, c'est... Il y a quand même des serpents énormes, hein, parce que regardez la taille de mon avion par rapport à eux. Salut Psyodéique. Ah putain, il y a peut-être un truc à gauche. D'accord. Donc ça se shoot pas, non. Oh putain. Allez hop, on revient. Faut que je trouve une caisse de cœur là, mais. Faut shooter un peu au pif partout. Il y a beaucoup de scoring. Ah, voilà. Ah, mais si, on peut les shooter. Bizarre, tout à l'heure ça rebondissait. Oh. Bon, c'est pas grave, je vais l'aller à fond. Kid Caméléon, bah, je compte pas le faire, hein, c'est trop long comme jeu. Je l'ai connu à l'époque, mais c'est super long quoi. J'ai jamais fini à la loyale, j'ai fini le jeu, mais en faisant l'espèce de passage secret, je m'en rappelle plus. Pour atteindre le dernier niveau, là. Je me rappelle même plus comment on faisait. Là. Il y avait une warp zone quelque part, je crois. Il est pas mal, hein, le... Putain, mais ça rebondit quand je... Sur les boulets? Non. C'est juste sur les... Putain, si c'est ça le boss, putain, ça a rien à voir avec le boss d'avant. Ouais, non. C'est bizarre, hein, les boss. Hein. Il y a vraiment des différences de difficulté assez phénoménales. Quoi. Oui, il y a des. Oui, exact, Totor. C'est vrai qu'il y a des fourberies de ce style. Ah putain, il y a des nouveaux. Ah non, d'accord. Donc c'est ça que je veux depuis tout à l'heure. Donc il me reste 46 000. Tiens, je peux acheter ça pour voir ce que ça fait. Ah bah ça augmente, d'accord. J'ai fait vraiment un continu. Donc il me reste ça à acheter. Et on sera bon. C'est étrange, mais il y a une dangereuse livraison à faire. Je pense que c'est ça, chargement ou livraison. Je dois aller dans la jungle. Et je dois faire gaffe, donc, aux indigènes. Tu t'es acheté un Switch ce matin. Alors, t'en as fait un peu? Franchement, j'aime beaucoup cette console, quoi. Pour le moment, j'y joue plus comme une portable qu'une console de salon. Quoi? Tu vas pas déballer, d'accord. Je pouvais plus aller en diagonale, là. Bizarre. Zelda et Mario, ouais. Le combo gagnant, quoi. Oh putain. Après, j'ai vraiment pas beaucoup joué à Mario Odyssey encore. Comme j'ai dit, j'avais fait une bonne session la semaine dernière, enfin, dimanche dernier. Après, j'ai pas eu le temps avec le taf, tout ça, j'ai pas eu le temps d'y jouer.
Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'étais tellement crevé que j'avais pas envie d'y jouer en étant crevé, quoi, et de rater plein de trucs. Donc je faisais plutôt de l'Isaac. Ça me détendait. Ah. Merde, il y avait un truc de vie à droite. Ah bah j'ai trouvé un bonus statue. Putain, c'est qui? Ah, c'est son pote, là, je sais plus. Bah alors là, je sais pas du tout son nom. Je sais pas, il vole sur un croissant, c'est bizarre. C'est quoi ce truc? Enfin bon, bref, c'est Disney. Pourquoi pas? Alors j'ai raté un ballon, hein, je crois. Ah, ça va très vite, quand même. Ah mais je peux faire ça, non? Je peux pas me retourner avec lui. Merde. Voilà, on va attendre alors. le 1er décembre. Bah, je l'ai ouvert, oui. J'avais dit que je l'ouvrais en décembre. J'ai pas précisé le 25 décembre. Non, puis c'était le week-end où il y avait Grom et voilà, je fais. J'ai voulu l'ouvrir, faire un petit unboxing avec lui, c'était sympa. C'était surtout ça, quoi. Mais on n'a pas joué à Mario Odyssey avec lui. Parce que. Il va avoir la Switch également et il voulait pas se spoiler ce jeu. Donc, j'ai fait ainsi. Putain, je viens de me faire un boss là. Je me rends compte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu? J'ai Binding of Isaac, forcément. Forcément. C'était pas obligé, mais voilà. Bon, ça, je peux rien acheter. J'ai le Mario Odyssey. J'ai. Il y a quelques jeux que je vais montrer après ça, de toute façon. Alors, tiens, c'est le dernier niveau. Dernière livraison. Ok, rempli. Ah merde, putain, j'ai sauté le dialogue. Bon, lisez le faire le plein, quoi, mais après, je sais pas où je vais. J'ai Gold Story, Picross Switch, Picross S. Quoi d'autre? J'en avais un autre là, que je jouais aussi. Attends, non, j'ai peut-être tout cité là. Non, j'ai tout cité, c'est ceux-là. Après, j'ai chopé une ou deux démos par-ci par-là. Mais voilà, grosso modo. Le Zelda, je l'avais déjà en fait sur Wii U. Je l'ai fait sur Wii U à l'époque. Donc non, je l'ai pas repris. Non, je fais pas de Mario ce soir, t'inquiète pas. J'ai envie de le. Celui-là, Mario, j'ai envie de le faire tranquille dans mon coin. Parce que c'est vraiment sympa comme jeu. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. Et j'ai envie de le faire tranquillement. Comme jeu. Oh putain, c'est lui là, le renard. Putain, bah leve-la, la Don Carnage ou je sais pas quoi là. Putain, par contre, il bombarde. Hein. La vache. Une fessée là. Ok. Bon. Alors attends, je vais revenir à deux vies. Putain, ça va être chaud à reprendre là comme ça. Putain, je sais même pas où j'étais. Ok. Je vais l'attendre là. Il se déplace très vite en fait. Ah, il tire plus. Ah merde. C'est tendu quand même. Hein. Oh, je l'ai eu? Ok, c'est bon. S'il faut shooter là. Oh, mais c'est où? Ah, d'accord, c'est les hélices. Là. Oh, vite! Yes! Merde, attends, je me suis pris un coup juste en le prenant. Pourquoi je prends un coup là? Putain, attends, j'aimerais prendre ça sans perdre de vie quoi. Voilà. Mais putain, c'est direct. D'accord, on se fait un gros vaisseau énorme. D'accord, je peux pas aller plus... Ah oui, je suis au bord là, en fait. Il y a une méga marge. Putain, c'est tendu. Putain, qu'est-ce que c'est que cette fin encore là?
Bah ouais, mais attends, le truc il m'apparaît dans le dos quoi. C'est n'importe quoi là. Quoi? Putain, c'est de pire en pire. Voilà. Mais c'est n'importe quoi les ennemis qui apparaissent dans le dos. Putain, mais ils ont des idées parfois, c'est de la merde. Hein. Et puis il tire en plus. Putain, je vais pas y arriver. Hein. Oh. D'accord, donc on a trouvé un truc assez balèze encore. Ouais, j'aurais jamais réussi à la loyale aussi celui-là. Voilà. Eh ben c'est bien Shere Khan. Donc c'est pas le renard. Non, je me suis grouillé. Si, c'est lui, non? Enfin, je sais pas, il ressemble à Shere Khan. Le vaisseau de zone de carnage. Maudit soyez-vous. Vous avez encore... Non, ce fou a encore battu Don Carnage. Ah non, c'est le boss, c'est celui qui est au-dessus, lui. Mais j'aurais cette compagnie si c'était une chose à faire. Ouais. Problème. Ah non, là il y a Shere Khan, donc c'est un autre perso. Problème. Enfin, il doit en avoir des problèmes. Il doit être furieux maintenant. Il comprendra jamais qu'il ne peut rien contre moi dans les airs. Je suis le meilleur pilote dans le ciel. Ouais, donc Don Carnage c'est un autre perso qui était le renard. Et il y a Shere Khan qui est le méga boss en fait dessus. Et c'est là la fin de merde. Bon, il y a des fins plus merdiques que ça hein. Joue à l'Amstrad et tu verras quoi, les écrans de fin quoi. Non là c'est bien, t'es petite musique, t'es content. Mais après oui, c'est vite fait. Voilà, c'était Tailspin. Donc bon petit jeu, mais avec des choses à corriger quand même. Si on veut que ça soit facile à faire normalement. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'y jouer là, de voir ce que ça valait. Mais clairement, je l'aurais jamais fait tout seul quoi. Non, si j'étais pas bloqué au boss de fin maintenant que je l'ai revu. Bah déjà, c'est arrivé jusque là, moi je te dis chapeau. Hein. Parce que putain, le boss. Deux boss avant là, avec les trucs qui rebondissaient. Bon, à part si t'enlèves le boulet, peut-être que ça va, mais faut le faire dès le début quoi. Mais même là, je trouve que c'était quand même compliqué, là, ce dernier boss. Bref, c'est bon pour Tailspin.